J'ai fait cette petite vidéo-là pour montrer aux élèves comment créer, mais ça peut être aussi pour les enseignants, mais ça s'adresse surtout aux élèves parce que on n'aura pas besoin de se créer de compte pour faire ça. Donc, on va aller sur le site wordart.com qu'on écrit dans la barre en haut. Et là, ce qu'on veut, on ne veut pas se créer de compte. Donc, on va aller juste créer. Donc, pas besoin de compte ici. On va aller créer. Le site est en anglais. Mais quand même, je vais vous montrer les petites étapes à faire pour créer vos formes, pour que ce soit pour remercier quelqu'un, juste pour créer. Donc, avec l'aide à l'aide de mots, vous allez pouvoir créer des formes, que ce soit pour remercier, pour montrer votre créativité. Je vous montre comment faire. Donc, ici, il s'agit de commencer par écrire nos mots. Donc, ici, ça pourrait être si on veut montrer les qualités d'une personne. Donc, on pourrait dire joyeux si je m'adresse à un gars. Sinon, ça pourrait être généreux. Puis, voilà, empathique. Et je pourrais rajouter encore plus de mots. Mais c'est juste en écrivant mon prochain mot aussi. Gentil, tiens. Donc, je pourrais ajouter plein de mots comme ça. Et là, si je veux voir ce que ça fait, je dois peser sur visualize, parce que mon anglais est après un peu approximatif. Donc, on peut voir ce que ça donne ici, notre nuage de mots. Donc, si on a créé notre nuage de mots et que la forme nous intéresse plus ou moins, là, on peut aller dans Shapes. Donc, on va aller voir les formes qui peuvent être intéressantes, qui sont ici par catégorie, mais on peut juste descendre ici. Donc, ça pourrait être, voilà, si notre ami aime les chiens, ça pourrait être en forme de chien. Donc, on va l'essayer. Une fois que j'ai choisi ce que je veux, si je veux le voir, je dois toujours peser ici pour le visualiser. Donc, on peut voir ce que ça donne. Ensuite, je peux aller travailler Fente. Donc, Fente, ça va être ma police d'écriture que je vais aller choisir. Donc, moi, j'aime bien Mountains of Christmas. Je vais repasser sur Visualize. Et je vais arrêter de le dire. Donc, puis Layout. Donc, de quelle façon je veux que mes mots soient positionnés. Donc, vous voyez ici, ils sont juste toujours horizontales. Donc, je pourrais choisir horizontal et vertical. Donc, moi, je vais choisir, tiens, ici comme ça. Puis, je vais repeser sur pour visualiser. J'aime pas vraiment ça. Donc, je pourrais continuer comme ça et rechanger cette façon de faire-là. Et le style, donc, ça pourrait être dans la couleur, d'aller choisir les couleurs. Donc, si je vais aller choisir mes couleurs. Ici, je peux aller peser sur une couleur et aller en choisir une autre si je veux. Donc, je suis allée en annuler. Donc, je peux aller choisir une autre couleur et aller peser dessus ici. Donc, ça va changer. Oups, ça va changer. C'est supposé changer ma couleur. Add. Donc, voilà, ça l'a ajouté une autre couleur. Donc, je pourrais ici cliquer sur Add encore une fois. Et voilà. Et maintenant, je passe sur fermer, close, et je vais regarder ce que ça donne. Donc, ça change un petit peu mes couleurs de cette façon-là. Donc, on peut voir que mes mots sont cachés. Si je veux les revoir, je passe sur Word. Et là, je peux aller changer aussi la grosseur des mots. Donc, si je veux que mes mots généreux soient plus grands que les autres. Donc, je vais pouvoir aller cliquer sur généreux que vous voyez. Il y en a un qui est plus grand que les autres. La couleur, je pourrais aller choisir mes couleurs par défaut pour chacun des mots. Donc, je pourrais décider que les mots joyeux sont, voilà, on va faire mauve, comme ça. Donc, je pourrais choisir chacune des couleurs, l'angle aussi. Donc, je pourrais choisir l'angle, je pourrais choisir aussi la police d'écriture pour chacun de mes mots. Donc, ici, pour généreux, j'ai changé la police d'écriture. Vous voyez, ça change de cette façon-là. Donc, une fois que c'est terminé, ben là, je peux encore continuer à m'amuser, là, si je veux. Donc, je peux changer la forme en ballon.
Et je peux en créer comme ça autant que je veux. Et quand c'est terminé, ou bien je partage un lien par courriel à quelqu'un ou par un message. Sinon, je peux télécharger ici en image. Donc, je peux juste le télécharger comme ça et il va se retrouver avec mes dossiers sur mon bureau de mon ordinateur. Si je l'ai fait sur un Chromebook, c'est la même chose. Donc, je peux le rouvrir, mais il ne voudra pas. Il est sur l'autre écran. Donc, il va pouvoir s'ouvrir de cette façon-là. Donc, je vais pouvoir le partager à quelqu'un et je pourrais aussi l'imprimer. Donc, c'est une façon de travailler avec des mots dans un nuage de mots avec WordArt. Donc, petit projet de création qui est possible de faire.